L'heure de la parole. L'heure de la parole sur Porto TV. La parole qui libère. La parole qui délivre. La parole qui transforme. La parole qui guérit. La parole qui sauve. La parole qui fortifie. L'heure de la parole sur Porto TV. Bonne écoute à vous. Le thème de la prédication de ce soir. La sorcellerie, laisse-moi partir. Sorcellerie, laisse-moi partir. Je suis pressé pour aller quelque part. Laisse mon habit que je m'en aille. Salut ton voisin et dis-lui voisin. Ce sorcier te laissera partir. Oui. Nous sommes venus au moment où il va nous laisser partir. C'est aujourd'hui le jour où il va te laisser partir. Beaucoup de gens ont des projets de voyage. Beaucoup de gens ont des projets pour faire un commerce. Beaucoup de gens sont venus au monde avec de grandes destinées. Beaucoup ont le désir de se marier. Beaucoup veulent recevoir leur dot. Beaucoup veulent avoir une bonne santé. Mais ce sorcier refuse de les laisser être à l'aise. Le sorcier, le méchant, l'homme de sang, sa mission, c'est ce qui est bien que toi tu tiens qu'il veut t'arracher. Si tu n'as rien, le sorcier ne te fera rien. C'est pour cela que les fous vivent plus longtemps que tout le monde. Il ne se couche pas sous moustiquaire. Il ne prend pas de vitamines. Il ment sur l'état d'ordure. Jamais infection. Jamais il ne contacte d'infection. Jamais paludisme. Jamais de paludisme. Mais on le traite donc. Qui le traite? Toutes les maladies dont nous souffrons, toutes les souffrances dont nous endurons, c'est parce que quelqu'un t'a tenu debout que cela t'est arrivé. C'est qui celui-là? C'est un sorcier. Il n'est pas laissé les gens rentrer dans de bonnes choses pour qu'on sourie. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui. La maison où ils sont nés, Dieu les a placés là pour élever la maison. Mais une main les garde disant tu ne vas jamais élever cette maison. La maison où sont les sorciers, leur mission est de regarder les enfants qui sont nés, qui seront grands et d'arrêter leur évolution. Leur mission est que les enfants de Solange, les enfants d'Ida, je ferai tout mon possible et ils ne seront rien. Les enfants de mon grand-père Clément François, je ne les laisserai jamais avancer. C'est ça leur propos qu'il faut arrêter les gens. Tu fais quelque chose que tu n'arrives pas à faire. Tu commences la construction, tu ne finis pas. Tu prends le pot de quoi, tu ne sais pas par où cela passe. Le premier mari est parti. Et t'as laissé un enfant. Le second s'en est allé. T'as laissé deux enfants. Tu restes auprès de celui-ci. Tu vas rester chez celui-là. Toi-même, tu ne peux pas te louer une chambre et rester dedans. C'est une vie ça. C'est une main invisible qui te tient, te garde pour que tu n'avances pas. Tu es bien belle, mais quel homme reste avec toi pendant une année? Regarde comment tu cours. Ce qui t'arrive maintenant, c'est ça qui arrive encore à tes enfants.
Les jeunes meurent dans la maison. Et la vie, ouais. Pleure. Mais papa devant nos chats, mais finalement ils n'ont mais un autre vieux là-bas dans sa chambre, il rit. Et ben je suis venu spécialement pour eux aujourd'hui. Mais Naomi doit amener bien qui commence. Ils vont vous laisser rentrer dans votre gloire. On relâche à Missy Sano. Je relâche l'onction sur toi. Bon alors, ma autorité de laisser le temps. La main de Dieu t'arrache de leurs mains au nom de Jésus. Minotami. Écoutez-moi. La sorcellerie est très mauvaise et nous devons l'arrêter. C'est lui qui a mis ce pays ainsi. C'est elle qui a mis ce pays à genoux. Il n'aime pas l'avancement. Elle n'aime pas le rire. Elle n'aime pas qu'on soit à l'aise. Quand le sorcier te voit et tu grossis un peu, cela lui fait mal. Répanocytaire. Sois chétif avec un long cou. Il va dire ce monde est ainsi. Hein? Couche-toi dans la chambre. Sois malade sous perfusion. Et il va dire moi-même là, le parle me dérange. Hein? Moi-même je prends les écorces, les tisanes. Toi-même prends ce tisane et prends ça. Hein? Cela le réjouit. Ramène des pouilles dans la maison. C'est lui le premier qui se roule par terre et pleure. Tout le monde viendra la soutenir. Il va pleurer plus que toi qui as perdu ta mère ou ton enfant. Parce que nous sommes à vie. Quand ils prennent les pleurs pour vous tromper, ils utilisent l'amour pour acheter votre destinée. Ah, lui, il est trop jovial. Quand on est en problème, quand je voulais accoucher, mon premier enfant, c'est elle qui était restée avec moi à l'hôpital et je l'ai accouché. Ce ne sont pas tous ceux qui te font du bien qui t'aiment. Ils achètent ton corps pour ainsi atteindre ta destinée. La sorcellerie est mauvaise. Quiconque est trop jaloux finira par devenir sorcier. Quand on achète une moto, cela te fait mal. Il porte un tissu viscose, cela te fait mal. Il change de coiffure chaque semaine, cela te fait mal. Son mari a payé de voiture et tu l'as gardé rancune. Attendez pour voir, il deviendra sorcier au finish. Il deviendra certainement sorcier. Tu as un ami. Tu as un ami. Tu as un frère. Tout le temps qu'une bonne chose vient dans ta vie, il te garde rancune. C'est un sorcier. Qu'appelle ton sorcellerie? La sorcellerie. Selon version François. Selon ma version. Et ouais, il était. C'est. Là où le gris-gris ne peut pas atteindre, moi-même j'irai et j'irai prendre. C'est ça la sorcellerie. La sorcellerie diffère de l'envoûtement. L'envoûtement, on envoie l'esprit. Et l'esprit erre ainsi et descend sur la personne. On lui appelle le nom de la personne. On lui écrit François. François, cherche-le pour moi. Et il va commencer par le rechercher. François, ah, c'est François ici. Il viendra chez lui. C'est ça qu'on appelle gris-gris. Ça qu'appelle ton sorcellerie alors. Voici. Moi-même, je vais me lever, j'irai prendre François. Il marchera ainsi et le tenir par la main. Il va le ramener. C'est ça qu'on appelle sorcellerie. Cela est basé sur quoi? Sur la haine et la jalousie. La jalousie et la haine. Quiconque. Tout
tout fidèle, frère debout, tout frère, soeur debout, tout soeur, démon union non vite on dit non venir à cet homme. Quand il voit le bonheur de son frère, cela lui fait mal, c'est un sorcier. Et la pomme est sinto kaka. Il va te lorgner. Manano. Et il va dire. Pourquoi lui il est orgueilleux comme ça? Qu'est-ce qui est déjà bon pour lui maintenant? Alors que la personne ne t'a rien dit. Quand vous voyez le bonheur de votre frère, applaudissez, célébrez. Quand tu te réjouis pour ton prochain, tu vas y entrer aussi un jour. Le bien que l'autre a eu, tu l'auras aussi très très bientôt. C'est ce que l'on aime qui vient ce soir. Devo eroya akuna. Il y a autre qu'on appelle sorcellerie inconsciente. Akuna. Sorcellerie inconsciente. Comme moi je regarde les affaires de quelqu'un, cela se gâte. Hein? Viens regarder mes affaires à moi. Tu te verras au cimetière. Akuna nyina kwase. La sorcellerie inconsciente est pire que la sorcellerie consciente. Hey, non. Ça détruit mais ne s'en rend pas compte. Parce que tout assez aussi, il y a car l'esprit de sorcellerie est là. La personne ne le fait pas de son gré. Quand il regarde simplement cela se gâte. S'il regarde et dit ça c'est pas bon hein. Je serai là et va avoir une chaîne comme ça. Moi je suis là et lui porte cette grosse chaîne là. Et moi je suis assis et je n'ai pas de chaîne avec de croix. Ah. C'est fini, il te poursuit. Ça comme bien aidé mais maintenant rien. Ça rentre dans un oiseau, il détruit tes affaires. Voici le pire dans l'affaire de sorcellerie. Quiconque a l'esprit de sorcellerie sur sa vie, quand un bien est sur le point d'arriver, tu l'informes en même temps, l'esprit détruit la chose. Parce que quand cet esprit est dans la vie de quelqu'un, il détruit la vie de la personne et détruit la vie d'autrui aussi. Jusque dans sa maison, rien n'émerge dans la maison. Savez-vous pourquoi? La chose est sortie de la bouche de Dieu. Cette parole est sortie de la bouche de Dieu. Ne les laissez pas vivre dans vos maisons. Mais nous disons, on va le laisser vivre là. Nous allons prier pour sa repentance. Car nous sommes meilleurs que Dieu. Mimano. Ne permettez pas. Nous que ceux-là vivent dans vos maisons. Quand ils seront dans vos maisons, il y aura des fausses couches, les gens vont perdre leur emploi. Les gens seront malades dans la maison. On va trahir les gens. Tout cela constitue la puissance de la sorcellerie. Il y a beaucoup de gens, on les a attachés, on les a mis dans leur arbre là-bas. Alors qu'ici, ils sont libres, peut-être dans une buvette. Et ils sont en train de danser ainsi. Alors qu'il est dans les liens là-bas. Bon, papa, le mimo, et le papa le voit et le regarde. Et il tient une bouteille de bière dans la buvette. Elle jouit. C'est pour lui tout va bien. Alors qu'il est dans les liens là-bas. Et un jour est passé, deux est passé, on compte. Et on le juge. Alors que lui voit le niveau. Le seul endroit où on peut trouver le niveau, c'est ici. Dans la maison de Dieu. Écoutez-moi très bien, entendez ceci et croyez-y. Le niveau où tu es aujourd'hui, c'est par rapport à la prière que tu as faite hier, c'est ton niveau que tu es aujourd'hui. Hein?
La prière que tu as faite hier. Les jeûnes que tu as faits hier. Ton adoration que tu as pris soin de cela hier. C'est ça le niveau où tu es aujourd'hui. Si tu ne fais rien aujourd'hui, demain tu ne seras rien non plus. Je vous dis la vérité. Je ne vais pas vous leurrer. Je vous dirai la vérité. Chez Dieu, si tu ne fais rien, tu ne pourras jouir de rien non plus. Il dit que le paresseux ne mange même pas. Prie beaucoup en réserve aujourd'hui. Et demain, tu vas en jouir, toi et tes enfants. Mets tes choses dans le grenier. Mets des choses dans le grenier. Et attends pour voir ce que Dieu va faire. La sortie dans vos maisons. Ce n'est pas les disputes qui vont faire sortir les sorciers de vos maisons. Non. Ce n'est pas la colère. Ce n'est pas les mines renfrognées. Ce n'est pas les disputes. Ce n'est pas aller à l'église. C'est un seul travail. Les prières de milieu de la nuit. Semer nous dit les semences. L'homme qui est enfant de Dieu, qui sème dans l'œuvre de Dieu, et Dieu jouit dans ce qu'il fait, aujourd'hui il a dépassé celui qui jeûne. Toi tu dis tout le temps. Comment ils veulent loin à l'église et ils ne vont pas trouver de chaises. Seigneur, j'ai un petit somme, j'achète trois chaises. Ces décorations là ne sont pas jolies. Hein. On a fait ça il y a longtemps. Enlevé et changé. Ne cherche même pas un merci de la part de quelqu'un. La trésorerie est derrière ta vie dans ta maison. Dieu lui il est un grand commerçant. Comment il va faire pour que tu sois toujours là en train de le faire? C'est ce qu'il va chercher. Il ne va pas vouloir que son nom soit bafoué sur la terre. Écoutez-moi encore bien. Où est Dieu? Vous le voyez. Vous pouvez le toucher où? Vous verrez Dieu au travers de moi. Les paniers verront Dieu au travers de vous. C'est pour ça que quelqu'un commence pas à fréquenter une église. On dit en même temps les chrétiens. Les enfants de Dieu. Quand on voit Dieu par vous. Quand on voit Dieu par toi. Et ton cœur veut aussi que les choses de Dieu prospèrent. Ce sorcier n'est pas encore né par sa mère. Comment le sorcier met la pauvreté dans vos vies? Il va mettre l'avarissement en toi. Le premier esprit, c'est l'esprit d'avarissement. Deuxième esprit de calcul. Dans la main de Dieu, on ne doit pas faire de calcul pour rien du tout. Tu es pasteur, tu fais le calcul, si 10 personnes viennent, j'aurai 100 000. L'église va chuter totalement. Vous écoutez bien, non? Le programme passe dans mon coin. Je fais un programme pour avoir de l'argent. Parce qu'on veut l'argent à l'église, on organise des programmes. Tu es assis, tu fais le calcul, si on trouve 100 personnes, on aura telle somme. Ajaibi. Tu échoues. Quand on fait des calculs pour Dieu, Dieu déjoue tes calculs. Et les sorciers en ce temps sont puissants. Car Dieu, lui, il recule pour que tu fasses ton programme de toi-même. Je connais une église. Toute la semaine, l'homme de Dieu, il se lève et dit, la semaine prochaine, mais il n'y a plus de l'argent pour payer le loyer. Semaine de prière. Semaine de prière. Thème, oui, ça doit changer. Le thème, c'est ça doit changer. Oh my God. Oh my God. Mon Dieu. L'aide doit changer. Les choses doivent changer. Tu dois changer. Rien ne changera. Les sorciers vont trouver de place. Quand toi tu agis ici, tu leur donnes de ça pour qu'ils puissent avoir plus de puissance. Tout programme qu'on veut faire, tout programme que vous avez organisé à l'église, c'est les genoux d'abord. Fléchis tes genoux dans la chambre. Seigneur, le mois prochain, qu'allons-nous dire au peuple? Tu peux dormir et rêver. Tu peux être en train de lire la Bible et il va te dire.
contre hôtel. Hôtel contre hôtel. Et ouais, Nablo. C'est ça tu feras. Et dans mon ouais. Quand tu dis ça, ouais, tu te poses le micro. Quand tu prends le micro, bon, dis, tu commences par rendre ministère. Alors, nous l'avons déjà vu. Tu dis que cela se passe ainsi. Et Nablo. Il le fera. Alors, eh, mais là, tu dis que ceci se lève ainsi. Et là, déjà vu. Est-ce que ça se passe ici? Voilà, toi qui vas parler et lui-même il opère. On t'appellera en ce moment magicien. Pourquoi va-t-on t'appeler magicien? Eux-mêmes ont fait le même programme mais ils ne peuvent pas opérer dans cette dimension. À cause de leur commencement. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi le sorcier garde un chrétien debout et garde ses finances et il ne trouve pas de l'argent. Savez-vous ce que c'est? Les calculs que tu fais par rapport à ce que tu as. Tu peux faire le calcul dans le foyer. Mais par rapport aux choses de Dieu, ne fais pas de calcul. Exemple. Quel argent avons-nous si ce n'est pas Dieu qui l'a donné? Qu'avons-nous trouvé si ce n'est pas Dieu qui nous l'a donné? Étage, l'état ne te suivra pas à la mort. Ton vécu ne t'amènera pas à la mort. Quand l'homme naît, il meurt. Les arbres naissent, ils meurent. Tout ce qui est dans ce monde va traverser chez toi et passer. Quand cela vient chez toi, utilise-le dans la maison de Dieu. Je connais des gens. Mais de plus de 250 millions de dollars. Il a sorti plus de 250 millions pour construire une église. Et il y a le plongé. Lui seul. Métis Blonia. Sans l'aide de personne. Si vous venez d'où, depuis qu'il a fait l'effort, il l'a fait. Et sur l'antenne à nous, il n'a plus dit, mais que vais-je manger? Et de quoi? Et de quoi farouchement? Il est farouchement riche. Parce que tel tout. Pourquoi? Le peu qu'il avait, Dieu avec qui il a dépensé, Dieu lui a augmenté. Nous, si la personne veut te garder et te garder et refuser que tu n'avances, il va te dire les 500 que tu as. Garde, bouffe-toi seul, ce n'est pas beaucoup. Fille, l'église évangélique, c'est là où l'église évangélique est remplie de pauvres. Et si vous êtes là, il ne peut pas te tuer. Mais tu vas fréquenter l'église, mais qu'est-ce que tu as dit? Parce que tu obéis à tout, mais tu ne veux pas obéir à la loi de la semence. C'est ce que l'on sème, que l'on moissonne. Il n'y a pas de prière, il n'y a pas de jeûne pour ça. Abba. Tu veux? Abba. Tu veux que Dieu t'élève. Sème les choses pour l'élévation. Tu veux être riche. Dépense pour les choses de Dieu. Tu veux qu'une gloire se repose sur ta vie. Prends ton argent pour donner gloire à quelqu'un. C'est ce que l'on met sous terre que l'on moissonne. Prophétiser le midi. Je prédis sur votre vie. L'argent de qui sur lequel ils sont assis. Qu'on a lié. Je lève la croix de Christ dans la chapelle. Dans tout le monde entier. Ceux qui nous suivent dans différents pays. Tout l'argent là où cela a été gardé, je vous le ramène au nom de Jésus. Je vous ramène votre argent au nom de Jésus. Genèse 30, verset 25 à 30. Genèse 30, 25 à 30. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, René Rachel lui a dit, Joseph, quoi? Jacob dit à Laban, Jacob, donne-nous la bande. Laisse-moi partir. Je m'y bonoumaï. Pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Bonoumaï, quoi tu es bédo to tchemé? Donne-moi mes femmes et mes enfants. Nami a se chele ekpo do vi chele ekpo. Pour lesquels je t'ai servi. Yede de ouezo bon senwe yo. Et je m'en irai. Bonou mandido. Car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Do wede sou atouan zoye wanwe yo. La bonne le dit. La banque a yigbe nindo. Puisse-je trouver grâce à tes yeux. Maman, fè nou nou koutou ele membo. Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te donnerai. Jacob lui dit. Jacob
tu sais comment je t'ai servi. Et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Amen. 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 Ce qu'on vient de lire, ça fait pitié. Là-bas, un sorcier. C'est un sorcier. Qui est le beau-père de Jacob? C'est son beau-père. Ce qui a entraîné Jacob à aller prendre de femmes chez un sorcier, ça fait pitié. L'amour amène là où on ne désire même pas aller. Il s'est retrouvé chez Laban le sorcier. Dis premièrement. La femme qui devait prendre, on l'a trompée. On lui a donné une autre d'abord. Tout cela, c'est de paix de temps. Et finalement, on lui a remis la femme qu'il aimait. Je crois bien de lui dire mes femmes. Dans la lecture, on a entendu mes femmes. Mes femmes, ces enfants. L'enfant de Dieu qui a pris deux femmes. Ce n'était pas de son gré. Parce qu'il est retrouvé dans une famille de sorciers. Cela ne suffisait pas. On l'a mis dans leur champ, ils travaillaient pour eux. Jacob travaillait, eux, ils s'enrichissaient. On a pris son étoile. On l'utilisait. L'argent venait pour eux. On lui donnait un peu d'argent. Et quand il dit je vais partir, on lui dit je vais t'augmenter de salaire. Je te ferai une augmentation. Jacob a perdu tout son temps chez Laban, les mains vides. Laban est un devin. Et il est allé faire les divinations. Il est allé consulter. Quand il a consulté, on lui a dit, Jacob qui est là, prends soin de lui, car c'est à cause de lui qu'il t'enrichit. Comme il consultait, on l'a informé s'il a encore gardé. Jacob est demeuré là. Il faisait ses enfants là. Jusqu'à faire dernièrement Joseph. Quand il a fait Joseph, il a dit pardon mon beau-père sorcier, laisse-moi partir. Et il dit non. C'est à cause de toi je prospère, reste avec moi. Je vais t'augmenter de salaire encore. C'est ce qui se passe dans votre maison maintenant. Certains sont restés auprès des gens. Dans une maison. Et ceux chez qui ils sont restés sont sorciers. Il va prendre ton étoile. Il va prendre ta gloire. Va l'utiliser. Mariage ton. Son mariage. L'utiliser. Son étoile. L'utiliser. Son argent. Sa beauté. Sa gloire. Et l'utiliser. Et la personne serait pauvre. J'irai chez ma mère. Ma mère, j'irai chez elle. Mon père, j'irai chez lui. Question Dieu d'abord. Ta mère est une bonne personne. Elle va prendre des choses sur toi et l'utiliser. Toi, tu vas dire ma mère. Tu vas te retrouver dans les tiroirs avant de te rendre compte que ta mère est sorcière. Trop tard, Caillon. Et trop tard, ce n'est pas bon. Je l'enlève de ta vie au nom de Jésus. Genèse chapitre 31, verset 2 à 7. Genèse 31, verset 2 à 7. Nous allons prier. Jacob remarqua aussi le visage de Laban et voici. Jacob Laban si il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors le tenant dit à Jacob. Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance. Et je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa.
Jacob il a Rachel pour le et qui était au champ vers son troupeau. Il leur dit, je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant. Mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Et votre père s'est joué de moi. Et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a permis de me faire du mal. Amen. Dis à ton voisin, Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Jacob a menti. Jacob a menti. C'est pourquoi il a menti. Quand je vous choque, ce que vous n'avez jamais entendu, je vais vous le dire aujourd'hui. Il a dit que Dieu ne lui a pas permis de lui faire du mal. Moi, je dis que c'est faux. Il lui a fait du mal. Qui c'est le mal qu'il lui a fait? Il a d'abord trahi par rapport à sa femme. Il lui a perdu du temps. Théologien, l'ami. Vous êtes des théologiens. Merci. Il a dit, Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Jusqu'à ce temps, il parlait encore comme bête. On a même agi contre lui, il ne s'est pas rendu compte. Elle voulait prendre de femme, on l'a trahi sur ce plan. Deuxième point. On lui a changé de salaire 10 fois. On a utilisé son étoile pour s'enrichir. On lui a perdu du temps pour qu'il n'avance pas. Et il a pris 2 femmes dans sa belle famille. Il a fait des enfants là. Il a fait de nombreuses années là. Il n'a rien fait pour devenir autonome. Et il dit maintenant que Dieu ne lui a pas permis de lui faire du mal. Il ne voulait pas aller contre ton beau-père. Que s'est-il passé alors? Avant que Jacob ne quitte là, il a regardé le visage de son beau-père. Et le visage n'était plus bon envers lui. Les yeux de sorcellerie ont commencé par bouger ainsi. Quand vous regardez bien un sorcier, quand vous le quittez, regardez derrière et regardez son visage. Tu sauras ce qu'il pense de toi. Quand il est dans la chambre, avant que tu ne toques, il va regarder comme ça. Certains papas, certaines mamans, quand ils agissent ainsi, sachez que la sorcellerie est là. Tu as un patron au service. Quand il veut venir, ne vient pas comme ça regarder les choses. Mais il fait semblant. Tu sauras que le grand là est venu. Le pape, oui. Pape est rentré. Pape. Entre la société de l'homme et de la femme, laquelle est plus puissante? Combien ça que c'est pour la femme qui est puissante? Combien ça que c'est pour l'homme qui est puissant? C'est la femme qui est le premier. Savez-vous pourquoi? Elle garde l'enfant dans son sein, c'est déjà une sorcellerie. Le sexe de la femme, c'est la sorcellerie. Ça n'engloutit pas. Mais ça engloutit tes finances. Je vous dis vrai. Jacob, Jacob quand il a regardé le visage de son beau-père, ce n'était plus beau. Mais ton beau-père n'est pas beau. Voici ton Rachel. Savez-vous que c'est ce même beau-père qui a tué sa femme Rachel? Ah, mais des boutons. Personne ne le sait. Quand il voulait partir, qu'est-ce qu'elle a fait?
Elle a volé le théraphime de son père. Elle a volé le théraphime de son père. Le père a cherché à dire, où est mon théraphime? Elle a fouillé à dire, non, je suis un monstre. Ne me fouille pas en bas. Elle a mis le théraphime sous elle. Sous elle. Et quand elle était tombée enceinte, elle voulait enfanter. Elle est morte. Assez, nous me l'appelons, ouais. La sorcellerie est mauvaise. Moment intense de prière. Tu vas appeler trois fois le nom de Jésus. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Nous devons régler tout présent. Jésus n'a les blodos. Aïe. Tu vas appeler trois fois le nom de Jésus. Assez dans ma maison. Famille en temps. Dans ma famille. Qui me tient jusqu'en ville? Papa ni cou, maman ni cou. Que ce papa, cette maman meurt. Tante ni cou, cette tante meurt. Et y a des. Prie. En cette nuit, maintenant je le tue. Je le tue. Je le tue. Je le tue. Qui est dans la maison de mon père? Dans la maison de ma mère? Dans ma belle famille? Dans ma belle famille? Et il me tient. Que je ne vais pas avancer. La puissance de Dieu. Maintenant tue-le. Oui. 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 Tue-le. À cette heure, vous devez couper. Tout sorcier. Qui a pris la résolution que je ne vais pas avancer? Que s'il est là que moi je ne vais pas avancer? Et il tient ma fille. Puissance de Dieu. Maintenant je le tue. Oui. Tue-le. 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 Alors il attend au coacher. Tout un mauvais met dans ma vie. Alors dis ça. Maintenant je coupe la main. Alors dis ça. Je chacune la main. Alors dis ça. Je chacune la main. Alors il attend au coacher. Alors il attend au coacher. Pour le coacher. Et un tiens. Maintenant je le chacune. 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 Je chacune. Je chacune. Je chacune. Je chacune. Je chacune. Je chacune. Alors tu en debout. Tout bien nouveau. Pour le coacher. Qui tient ta fille. Pour te dominer un couteau. Et en train de te tirer vers le rien. Et maintenant chacune la main. Je 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 chacune la main. Ça peut être la main de mon père. Si non, je suis alors. Ça peut être la main de ma mère. Ah, t'as vu, t'as suis alors. La main d'un oncle de Dieu. Pour le coacher. Et ça tient ma vie. Pour le coacher, nous courons. Mais je ne vais pas avancer. Et là, tu es. Maintenant, je la chacune. 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 Jésus Christ, c'est quoi, mes frères? Nous avons prié au nom de Jésus. Alors, c'est temps. La main de la sorcellerie. La seule chose qu'elle fait, c'est de te tenir. Ceux avec qui tu as commencé sont déjà devant, mais toi tu es encore sur place. Cet enfant est né avec mon enfant, mais lui il est déjà allé en Europe. On était jeunes en même temps
elle est mariée, je ne suis pas encore mariée. Même diplôme, mais elle même commence, diplôme, il a eu son emploi, moi non. Tu vas dire Seigneur. Qu'elle m'aime dans le retard ainsi. Je prends la machette. Et je coupe. Je la coupe. Nous avons prié au nom de Jésus. Tu vas bien fermer les yeux et prier ainsi. Mais ceux avec qui j'ai commencé. Et ils m'ont laissé. J'ai commencé le commerce. Avec le travail. Le ministère. Ils m'ont tous laissé. Et je suis à ce niveau. C'est quelle main? Tante descend là. La main d'une tante. Toi descend là. D'un père. Fofo descend là. D'un grand frère. Il descend là. D'un enfant. Et à un saint. Je la coupe. Et à un saint. Je la coupe. Et à un saint. Coupe la coupe la coupe la coupe la. Le côté de Messou Kabadaya. Le côté de Bébé. Soudre de Bossandarabaya. Le côté de Bossandarabaya. Alors le terre au côté. Quel métier ma fille? Tante je sais loya. Est-ce la main d'une tante? Non je sais loya. La main d'un oncle? Non je sais loya. La main d'une père? Attends. La main d'une tête. Et y a une tête. Maintenant, je prends la machette céleste. Et je la coupe. Je coupe cette main. Je coupe cette main. Je coupe cette main. Je coupe cette main. Coupe la 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 main. Et si vite tu dis ça. Ça peut être mon enfant. Et si vite tu nous vite sous ça. Ça peut être mon enfant. Bon grand mino couteau. Et qui me retient en rien. Et y a un tchè. Maintenant je la coupe. Tchè. Je coupe sa main. Et si vite le négocier alors. Ça peut être un enfant placé. Et y a un tchè là. Je coupe sa main. 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 Alors de l'écoute nous comprenons. Mais qui me refuse quand j'avance? Que je vais reculer. Maintenant je coupe la main. Je coupe la main. Je coupe la main. Je coupe la main. Coupe la. Coupe la. Coupe cette main. Coupe cette main. Coupe cette main. Coupe la main. Coupe la main. Coupe la main. Coupe la main. Alors de le couper. La main qui se trouve dans la maison.
Nous avons prié au nom de Jésus. Le meilleur reste à venir. Alors debout. Toute main qui est dans l'invisible qui est sur ma vie. Puissant de Dieu. Enlève-le de moi. La main de la chasserie. De la famille. De pétiche. Quitte-moi. Quitte-moi. Vaudou si aloya. Tout me qui est sur moi. Dansi aloya. Aïssi me de sorcier. Mami wa dansi aloya. Aïssi me de serpent. Vaudou dansi aloya. Aïssi me de tigelle. Eya. Jomido. Maintenant lâche-moi. Jomido. Lâche-moi. Jomido. Lâche-moi. Jomido. Lâche-moi. Jomido. Lâche-moi. Jomido. Lâche-moi. Jomido. Lâche-moi. Aïssi aloya. Tête de sorcier. Eya. Jomido. Lâche-moi. 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 Aujourd'hui, Yahweh, je te renvoie, Yahweh, je te chasse, Yahweh, je te chasse, Yahweh, je te chasse, Gosi Goudache, sors de ma vie, 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 Gosi Goudache, quitte derrière moi, 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 assez alors, la main de sorcier, et la soirée, qui œuvre dans la maison, et maintenant lâche-moi, Jomido, lâche-moi, Jomido, lâche-moi, Jomido, lâche-moi, Jomido. Lâche-moi. Ouais, Vodouta. Toi, esprit de serpent. Ouais, Vodou Sabata. Toi, idée de Sabata. Et c'est alors le coach, mais. Et qui tient ma vie. Et y'a Jomido. Maintenant, lâche-moi. Jomido. Lâche-moi. Jomido. Lâche-moi. Jomido. Je coupe ta Jomido. Main. Jomido. C'est à la Touraga. Lève ta main. Mais on nous coutouille. Ferme tes yeux. Je n'ai pas beaucoup de temps. Lève ta main. Ferme tes yeux. À Sorenjawa, Dion. Le travail que je vais faire maintenant, je vais enlever la main du méchant sur ta vie. Et tu vas avancer. Beaucoup de gens sont stagnants. Mais c'est fini aujourd'hui. C'est fini. Lève ta main. Jordan. La main de sorcellerie sur ta vie. Sur ta finance. Chabokataboya. La main qui disperse ton argent. On est prêt à l'ordre, go si tatoué. Je donne qu'elle quitte ta tête. Amen. Shabokata rababa. Big Bob, mets-le à l'ordre si t'attends. Cet esprit enlève la main de sa tête. Enlève-la de sa tête. Enlève ça. Voilà ça. Voilà. 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 Alors, t'as me lève, il y a une malchance. Il y a la main sur tête de certains, ils ont la malchance. Mais au village, il va l'entendre très haut. La personne est au village, mais sa main est sur ta tête. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On est alors si t'as noué. J'enlève cette main. Amen. Reçois la délivrance où tu es. Reçois la délivrance où tu es. Mais nous comptons, mais première personne, deuxième personne. Puissant de Dieu. Toute main qui la tient. Je l'enlève. Voilà. Voilà. J'enlève la main. Je lève la main. J'enlève la main. J'enlève la main sur lui. J'enlève la main sur lui. J'enlève la main sur lui. J'enlève la main. Jésus, c'est comme au nom de Jésus. Amen. Puissant de Dieu, dans toute la chapelle, ce qu'on a tenu pour les laisser stagnants, 25 personnes sont dans ce cas-là. Jordan au Saint-Esprit circule à chaque siège jusqu'au dehors. Voilà. Mais nous comptons c'est la première personne à prendre là. Puissant de Dieu prend 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 là. Shabokata. Mais 25 personnes. Ils font des fois mais n'avancent pas. Mais ils ne savent pas ce qu'ils gardent stagnant. Oh ma kakata koko karito koto kada gada. Jordan. Mais quoi ton de toi servi de fio. Les 25 personnes pour lesquelles tu m'envoies ici. Même quand il y a honte au cas, il y a téléspectateurs. Même jusqu'au dehors, les téléspectateurs qui nous suivent. Alors, Mauton. La main de Dieu. Eya. Ça y est.
Libère-les. C'est à la Touraga. Lève tes mains. Bien nous coûte pour ferme tes yeux, garde le silence. Et regarde ce que Dieu est sur le point de faire. Dieu fait quelque chose maintenant. La place où il tombe, je vais t'enlever de là. La place où il tombe. La place de pauvreté. La place de pauvreté, de dette, de stérilité, célibat, de célibat. Et ya? Ça y est. Sors de ce tombeau rapidement. Amen. 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 Voilà. 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 Le sang de Dieu est partout. C'est partout. C'est partout. C'est partout. C'est partout. C'est partout. C'est partout. Voilà. Voilà. Mais quelqu'un quand tout ouvre. Beaucoup sont libérés. Mais des blagues à dos et oulets. Ce qu'on a lié avec la pauvreté. On tombe quand même ici. Je vous libère de la pauvreté. Voilà. Voilà. Mais des zéra timelé. Ce qu'on a mis dans un arbre. Le roi de Khayede n'a coulé. Et on les juge pour les morts. Anakua. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Anakua. Tu ne mourras pas. Anakua. Tu ne mourras pas. Yika tutu. Reçois la délivrance. 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 Les 12 utérus qu'on a mis dans un iroko. Jardin au nom de Jésus. Quiconque est venu ici. Même dans sa maison. Et on a volé son utérus. Je rentre dans l'arbre au nom de Jésus. Et je récupère son utérus pour lui. Récupère ton utérus. Reçois ton utérus. Reçois. Voilà. Reçois. Voilà. Reçois. Voilà. Reçois. Voilà. Reçois. Voilà. Voilà, voilà. Le repas que tu as mangé dans le sommeil. Fibrom dans les utérus. Kiss dans les utérus. Ça y est. Ça y est. Ça tombe. 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 Ça Jordan, quand tu vomis. Et ya, nous devons empoisonner debout. Tout repas empoisonné. Suitant. Vomis-le. Suitant. Vomis-le. Suitant. Vomis-le. Suitant. Vomis-le. Aide. Voilà. Aide. Voilà. Alors, ma autant bien retourner. La main de Dieu dans ton ventre. Alors, ma autant bien retourner. La main de Dieu rentre dans ton ventre. Alors, ma autant bien retourner. La main de Dieu rentre dans ton ventre. Vomis-le. 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 Au bout des enzymes. Tout repas qu'ils ont. Venez dans l'invisible. Et ils ont étant donné, tu as mangé. On te perd dans les Jordan, quand tu vomis. Suis ton blé, on dit. Vomis-le. 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 Alors, tenez à dogme, suis. Mesdames, messieurs, le patron, vomis-le. Et suis ton. Vomis-le. Qui se l'a nidjaï. Les qui se tombent. Font fibrom la nidjaï. Les fibrom tombent. Boudin empoisonné. Les repas empoisonnés dans le coin des sorciers. Pas de boue. Et tu as mangé. Mais où des problèmes de cela est devenu un problème dans ton ventre. Mais où des retards. Ça a devenu un retard. Tu te boudes à des suis. N'importe où tu es, vomis-le. Suis. 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 Vomis-le.
Pose ta main sur le ventre. Fais du Saint-Esprit. Rentre dans le ventre. Opère-les. Fais l'opération. Fais l'opération. Au nom de Jésus. Fais l'opération. Vomis-le. Seigneur, je te rends grâce. Car tu opères une femme. Tu opères un homme. Cet esprit opère-le. Que ça sorte de son ventre. Qu'il vomisse. Tout repas qu'il a mangé. Qui est devenu le diabète. Qui est devenu la tension. Qui est devenu non-avancement. Et béniton qui sort, ça sort. Et les souris, Même dans ta maison, touche l'écran. Même les téléspectateurs de l'Europe. Je prie pour vous. Touchez votre écran. Restez connectés. Ceux qui sont ici, restez connectés aussi. Je vais te donner la vitesse. Tout ce qui est dans ta maison. Qui te garde. Je te pousse, reçois la vitesse. Voilà, je te pousse, reçois la vitesse. Quelque chose se passe dans le règne spirituel. Sentinelle. La puissance devra les pousser. Ceux qui n'avancent jamais. Je vais compter de 1 à 3. L'onction qui est sur moi te donnera la vitesse pour avancer. 1. Shabo kakataka. Lekete mo kakata. 2. 2. Kiribi kekata kotaka. 3. 3. Yiruko. Va de l'avant. Va de l'avant. Avance. Je te change de place. Je te fais asseoir à ta place. Tu ne seras plus le même. Je rentre dans ta vie, je restaure ce que la société a détruit. Lève tes mains. Regarde vers le haut. Tu seras au-dessus de tout le monde. Voilà. Qu'une onction descend sur toi d'en haut. Une onction fraîche descend sur toi. Voilà. Ça descend sur toi au nom de Jésus. Nous l'habitons. Tout change. Au nom de Jésus. Asseyez-vous. Jordan au nom de Jésus. Tout lien qui la tient. Qui vient du village. Qui tient sa vie. Je prends le ciseau du ciel. Et je coupe ses liens. Je les coupe. C'est fini. Acclame le Saint-Esprit. Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Nous devons être
présent chemin Jésus nan le bloro aïe. Je m'appelle Edith. C'était ma première fois de participer à ce programme. Je peux certifier que l'Esprit de Dieu travaille dans ce temple. J'ai la foi. Effectivement, l'homme de Dieu s'est approché de moi. Et il m'a dit certaines choses. Dieu lui a révélé certaines choses me concernant. Il m'a dit que je suis une riche, mais que les sorcières se sont élevées contre moi. Et ils m'ont bloqué comme quoi je ne pouvais pas évoluer. Je m'efforce beaucoup, mais c'est comme si je ne fais pas assez d'efforts. L'œuvre de Dieu pour laquelle j'ai été appelé, je ne le fais même pas comme je dois le faire. Je ne sais pas comment faire. Et j'appelais l'Éternel. Partout où je me trouve, je me disais Seigneur, au secours. Vendredi, je suis l'émission à la radio. Et aujourd'hui, je me suis dit, peu importe ce qu'il arrive. Et ce vendredi, MC, mission à la radio. C'était le vendredi, j'ai entendu l'émission. Et je me disais, j'allais participer aujourd'hui. Et je l'ai dit à mon époux. Et je disais à mon mari, même si tu ne veux pas venir pour suivre, viens au moins t'asseoir avec moi. Et effectivement, il m'a accompagné. Je rends grâce à Dieu. Je n'ai jamais été sur une église où l'homme de Dieu m'a localisé et a prophétisé sur ma vie. C'est la première fois. Et je voudrais rendre grâce à Dieu. Parce que quand vous allez à l'hôpital et que le médecin vous prescrit une ordonnance, quand vous prenez les comprimés, vous avez satisfaction. Et je dis merci à Dieu. Ce que je traverse, je ne l'ai pas dit à l'homme de Dieu. Mais Dieu lui a révélé ça exactement, il a dit. Parce que ce que Dieu a déjà fait, ce qu'il veut continuer à faire, c'est ça qu'il démontre à son loin. Et je sais qu'il a déjà fait ma part. Je rends grâce à Dieu. Je sais que les sorcières qui me poursuivent aujourd'hui, elles mourront. Maman, tu es dans les liens. Rien ne va dans ta vie. Hein? Que de dettes. Rien ne va dans ta vie. Tu as de l'argent, mais ils ont tout mis dans l'arbre. C'est pour que quand tu prospères aujourd'hui, demain ça chute. Quand tu prends un chemin, il se bloque. Toi qui me suis éduite ce soir. Et tu te dis toujours je viendrai, mais tu n'as jamais participé. Je passe sur la route de PK chaque jour. Je réside à Kokokoji. Je vends à Kokotome. Je vais toujours à Tokpa pour aller acheter des marchandises. J'écoute l'émission à la radio, mais je n'ai jamais participé. C'est ma première fois, mais Dieu m'a touché. Et les poids qui sont sur ma vie, il m'a déchargé. Je voudrais te demander de ne plus proscratiner. Viens. Tel j'ai pris le numéro, je n'appelais pas. Ne fais pas ainsi. Viens. Et Dieu le fera pour toi. Je me nomme Ambroise Abekono. Je m'appelle Ambroise. Vous savez, le culte d'hier. Et le premier juillet avant-hier, je l'ai suivi à la télé à la maison. Mais vous savez, la sorcellerie est un combat que j'ai commencé à faire depuis mon enfance. Je ne savais pas que j'avais une gloire sur moi. L'homme de Dieu l'a dit et c'est vrai. Je suis un enfant très combattu par la sorcellerie. Et quand j'ai écouté l'émission,
quand j'ai suivi le premier séance, le premier culte, avant-hier et hier, je me suis dit, Jésus, il est mort et troisième jour, il s'est ressuscité. Alors, le troisième jour qui est aujourd'hui, je dois venir et tout ce que l'ennemi, tout ce que les sorciers ont déjà volé dans ma vie, je vais venir les récupérer. Alors, c'est à base de ça que je me suis retrouvé ce soir à Pontivy. Et je bénis aussi la gloire de Dieu, je bénis aussi l'homme de Dieu, la vie de l'homme de Dieu que Dieu a oint ici. L'homme de Dieu que j'appelle avec respect son nom, François Xavier Alokwe, il est un homme de Dieu que j'admire beaucoup. Je le respecte et même à la télé, quand je le regarde, son onction m'impacte. Donc, je bénis beaucoup sa vie pour l'onction que Dieu lui a donnée. Pourquoi? Parce que c'est ce qui se passe avec moi dans ma vie. C'est cela qu'il a révélé ce soir. Effectivement, quand une gloire est devant moi, c'est comme ça que l'ennemi envoie une femme devant moi. Même sans que je ne leur dise « je t'aime », elle se présente devant moi, elle se me fait les premiers pas. Donc, je bénis beaucoup la vie de l'homme de Dieu pour le culte de ce soir, le culte qu'il a fait ce soir. Et l'Esprit de Dieu, là où je suis assis, depuis ma maison, je disais à l'Esprit de Dieu, si effectivement tu es avec cet homme de Dieu, si je viens ce soir, touche ma vie, dis quelque chose dans ma vie. Et c'est ainsi, c'est pareil que quand je suis venu, l'Esprit de Dieu m'a localisé par son nom et il m'a impacté tout ce que l'Esprit de sorcellerie a déjà volé dans ma vie. Je bénis beaucoup l'Esprit de Dieu qui travaille dans cette... Tu sais que les femmes t'apprécient beaucoup. Mais elles sont maintenant engagées. Et elles aiment t'engager avec toi. À toi, oui. Tu le sais, non? Oui. Si tu ne sais pas, moi je vais tout t'expliquer. Mais comme tu le sais déjà, on va passer à l'essentiel. N'importe où il y a du sucre, il ne manque pas de fourmis. Si les fourmis tournent autour du sucre, on ne peut plus manger le sucre. Attention. Attention. Sinon, elles vont se donner à toi, mais prendre des choses dans ton corps. Le fort. Reste fort. Parce que tout. Pourquoi? Le règne spirituel, mais... Dans le règne spirituel, tu es quelqu'un qui a beaucoup de talent. Beaucoup de talent en toi. Avec ce qui est en toi, tu dois beaucoup avancer. Ton problème, c'est quoi? Chaque fois que quelque chose est sur le point de venir, on t'envoie une femme pour détruire la chose. Vérité, papa. Nous, bon amis, papa. Fianoa. Tu viens ici? Non, je ne suis pas fréquent ici. Mais j'ai l'habitude de venir. Ok. Écoutez-moi bien. Et le finir. Là où il est, tout ce qu'il aura besoin de sa sûreté, Dieu lui a donné. Avant qu'il ne monte une marche, la femme de l'escalier là est là. Parce que car toute élévation porte une femme. Cet homme qui doit faire attention. On a réassitué ça là. Et garder ta femme par sa main. Tu ne veux pas épouser quelqu'un, ne te couche pas avec elle. Sinon, elle va porter une grosse disant que c'est pour toi alors que ce n'est pas pour toi. Et freiner ainsi la course de ta vie. Choc. Je vais t'aider aujourd'hui. T'imposer ma main. Je ne chasse pas les femmes de la vie de quelqu'un. C'est toi-même de ta bouche qui va les chasser. Je ne veux pas de toi. Ce n'est pas une rancune. En tout moment où tu veux l'aider, et c'est toi qui ne fais qu'aider les femmes, en l'aider deviendra ta femme. Pour ça là, il a ri.
Mon frère, Dieu t'a beaucoup béni. C'est moi qui te le dis. Je ne te connais pas. Mais tu as tout. Je vois les voyages. Mon voyage. Ah, le passeport. As-tu ton passeport? Oui, papa. Si oui, depuis quand? Depuis l'année dernière. Si oui, tu veux aller où? Tu veux aller où? Je vais aller au Canada. Pourquoi y a-t-il de blocage là? Moi, mais je ne sais pas. À toi. Corriger, c'est une affaire de femme. Plus. Plus tes projets, une femme l'entend, tu ne vas pas avancer. Mon voyage, oui. Je vois un voyage. Mais je vais tout débloquer maintenant. Jordan. Donne-lui un voyage. Qu'il reçoive son voyage. Reçois la grâce de Dieu et avance. Acclame le Seigneur. Toi qui es en train de suivre la chaîne Port TV, écoute-moi bien. Ici, c'est l'Esprit de Dieu qui opère ici. C'est l'Esprit de Dieu qui fait quoi? Qui opère ici. C'est la puissante main de l'Éternel des armées qui est en train de fonctionner ici. Là où tu es, si tu n'es pas loin d'ici, même si tu as l'opportunité de prendre avion et descendre, prends le vol et fais tout possible pour pouvoir venir faire le culte de dimanche ici. Je m'appelle Benou Félicien. Ce que Dieu m'a fait, c'est depuis le 17 août que je sentais le mal. Je me suis endormi et à mon réveil, j'ai senti que j'avais des douleurs au cou. Et quand je prends des comprimés, cela se calmait un peu. Mais après, ça recommençait. Et le vendredi passé, je ne pouvais pas utiliser mes doigts. Et je me suis rendu à l'hôpital. Les médecins m'ont consulté, j'ai fait les analyses, on m'a dit qu'on n'a rien eu. Et on m'a dit, bon madame, allez chercher ailleurs. Mais je fréquente cette église, mais je n'ai jamais eu l'occasion de participer aux trois jours de réveil. Je suis revendeuse et puis je prépare toujours et je vends. Et pour ces trois jours, je ne peux même pas expliquer ce qui s'est passé pour que je me présente ici. Et c'est notre secrétaire qui m'a demandé de venir. Et il m'a invité à venir. Je n'ai pas pu participer à la première journée. Et je me suis inscrit pour la ligne de prière. Et on m'a impacté. Mais le doigt qui me faisait mal, ça s'est calmé. Mais pour aujourd'hui, ça m'a tellement étonné. Quand l'homme de Dieu m'a impacté, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui a quitté mon corps. Et cela m'a réjoui. Tu as quoi à la main? C'est après un sommet que tu as senti ça. Regardez. Reçois la guérison. Jordan, au nom de Jésus. Reçois la guérison. Jordan. Tout ce qui est dans la main. Sors. Niton, sort. Free. Libre. Acclame le Saint-Esprit. Quelque chose se passe dans le règne spirituel. Quel est son nom? Félicienne. Examine-toi. Voici la douleur. Lève-toi. Je voudrais exhorter ceux-là qui nous suivent en ce moment. Ne courez pas derrière l'argent. Quand nous cherchons un peu l'argent, allons chercher la face de Dieu. Parce que le Dieu qui est ici, c'est un Dieu vivant. Mais si nous suivons toujours l'argent et si nous suivons les ondes, nous ne pourrons rien faire. Merci.
Je m'appelle Azonkwe Odette. Effectivement, la sorcellerie s'en est assez. Parce que tel que je suis arrivé ici, je ne suis pas en train de rentrer de cette façon-là. Ce que je recherche, je l'ai eu. Quand l'homme de Dieu m'a localisé, cela m'a fait plaisir. Parce qu'en venant, j'ai dit à mon Dieu, quand je viendrai ici, je ne voudrais pas rentrer de cette façon. Et effectivement, je suis en joie. Parce que je suis à la recherche du fils des entrailles depuis 4 ans. Mais aujourd'hui, je suis en train de rentrer avec mon enfant. Au nom de Jésus. Je vais compter de 1 à 3, allez l'impacter. Et l'ange va sillonner et vous donner ça. Jordan. 1. 1. 2. 2. 3. 3. Voilà. C'est bien chez toi. Et je voudrais exhorter ceux-là qui nous suivent depuis leur maison. Je vous en prie. Ne dites pas que vous n'avez pas les moyens de venir ici. Efforcez-vous et venez. Parce qu'il y a une onction puissante ici qui opère. Venez goûter à l'onction telle que je suis venu goûter. Que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Audrey Lawson. Ce qui m'a réjoui, ce que je recherchais en venant ici, je l'ai eu. Cela voudra dire que je voudrais me marier. Et aujourd'hui, l'homme de Dieu m'a localisé et l'a prophétisé. Et je sais qu'après sa prophétie, c'est fini. Je suis en train de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il m'a fait. Lève tes mains. Toute grâce que tu veux en venant ici. Étant marié. Tu n'es pas marié. Tu es chez qui ici? Je vais prier pour toi. Je vois quelqu'un qui est musulman. Musulman. Qui est dans ta vie. Go. Sors. Maman, tout le et ta maman, asseyez-vous. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Ceux qui sont en train de nous suivre sur Port TV ne sont pas ici. Durant ces 3 jours, je vous exhorte de faire un effort afin que le dimanche, vous vous présentiez et vous allez voir de vos propres yeux. Parce qu'il y a vraiment la gloire de Dieu ici. Il y a Dieu ici.